Vous êtes sur le point de prendre part à une aventure apocalyptique de survie en conditions réelles. Partagez et likez pour soutenir votre héros préféré. Ok. J'ai bien dormi, je sais pas combien de temps j'ai dormi. Ok. Allez, il faut que je récupère ma tente. Oh, flûte. Allez. Oh, je suis en train de casser les planches là. Ok, allez. Il est en train de brûler. C'est immonde. Allez, je perds pas de temps, j'y vais vite. Oh purée. Je vais essayer au maximum de sauter sur les arbres. Ouais, il faut que j'évite absolument. Je vais prendre la machette, elle sera probablement plus efficace contre ces monstres. Oh, des papillons. Ah! Ok, ok. Je vais par là, je vais suivre l'eau. Oh mon dieu. Je suis tombée juste à côté d'eux. Ok. Oh purée, non. Laisse-moi tranquille. Sale monstre. J'ai réussi à le tuer, comment j'ai fait? Je lui ai enfoncé ma machette dans la tête. Y'a que ça qui marche avec eux. Allez. Je sais pas où je vais. Oh, je vais faire attention. Excuse-moi, j'ai besoin. Je suis navrée, mais. Ma fourrure a dû sécher d'ailleurs. Je vais voir. Oh, j'en vois un là. Je vais l'éviter. Il me faut de l'eau, j'ai soif. J'ai soif. Il m'a pas vu. C'est bon. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres autour de moi. Ok. Il est dans l'ombre. Il m'a pas vu. Ça peut pas être quelqu'un de vivant, ça. Ça peut pas être quelqu'un de normal. Allô? Pourquoi je dis allô? Monsieur? Monsieur? Non, non, c'est pas quelqu'un, ça, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Laisse-moi tranquille. Il va me dévorer. Non. Non. Laisse-moi en paix. Ok, il m'a lâché, il m'a oublié. Ils ont la mémoire courte. Ils doivent avoir la cervelle un petit peu abîmée. Ok. Je vais bien trouver quelqu'un. Oh, ouais! Y'a quelqu'un? Y'a que des insectes ici. Y'a beaucoup d'arbres. Je vais monter sur un arbre. Y'a quelqu'un? C'est quoi ces bruits? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh là, un phacochère, je vais faire gaffe. Doucement. Doucement. Ok, ok, c'est bon, il m'a pas vu. Désolée les cerfs, je ne fais que passer. Faudrait que je retrouve l'eau. Est-ce qu'il y a de l'eau par là? C'est les bords d'eau, c'est sur l'eau, c'est près de l'eau qu'il y a les campeurs. Il y a quelqu'un? Je vais en profiter pour laver mes affaires. Ok. Allez. Mes chaussures. Mon chapeau, allez. C'est bon. Les chaussures. Et mon petit haut. Est-ce que j'ai assez pour me fabriquer un petit pantalon avec la fourrure? Non, même pas. J'en ai trois comme ça. Ok, je vais monter sur l'arbre. Peut-être les arbres qui sont là où on est le soleil. Je sais pas si. Je sais pas si je vais trouver quelqu'un là. J'ai de sérieux doutes. Ce lac m'a l'air pas trop mal.
Il y a l'air d'avoir des campeurs qui sont venus ici. J'ai trouvé un paquet de chips en chemin. Je commence à avoir faim. Je vais pas manger tout de suite, il faut que je m'arrête. Est-ce que je peux me passer par là? Voilà. Je sais pas si cet arbre est sécurisé. Est-ce qu'il est secure ou pas? J'en ai aucune idée. Ok. Peu importe, je vais manger un petit bout. Je suis bien fatiguée là. Allez, goûtons ces œufs de poisson frits. Oh, c'était immonde. Oh, j'espère que ça va pas me rendre malade. Ok, j'ai... ça. Et des carottes. Allez, je vais manger ma petite côtelette. Ok. Un petit peu d'eau. Ah oui, je vais remplir ma fiole. Ok. Voilà, je vais remplir ma fiole d'eau. Mes fioles d'eau. Mes petites bouteilles d'eau. Voilà. Allez, je trouve que je m'en sors pas mal. C'est pas mal, Kat. Tu t'en sors pas si mal. T'as pu en tuer un tout à l'heure. Ils ont pas l'air si... C'était quoi ce bruit? Ok, et oh, c'est par là, j'ai vu des traces de campement. Est-ce que vous êtes là? Si ça se trouve, ils ont été dévorés. J'ai pas vu leurs cadavres, j'ai rien vu. Ou alors ils se sont relevés, je sais pas. Ou alors ils se sont relevés. Ohé ? Je vais peut-être monter sur cet arbre. Hop. Je vois personne, je vois rien. Hop, par ici. Par là-bas peut-être. Oh, allez, je commence à être épuisée, je suis toute écorchée de partout à force de grimper sur ces arbres. Ok, où en est le soleil? C'est l'après-midi, je vais mettre mon petit chapeau. Voilà, il fait sombre par ici. Là, il y a quelqu'un. Monsieur, c'est vous? C'est votre campement? Non! C'est l'un d'eux! Non, 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 non! Ah! Ah! Laisse-moi tranquille! C'était un campeur. C'était un campeur, il avait sa tente sur le dos. Oh mon dieu! Ça veut dire qu'en fait, les gens se transforment ici. Il s'était fait mordre, j'ai vu une morsure. Ok, je vais au lac. Je retourne au lac. La forêt, c'est trop dangereux. Je retourne au lac. Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était? Je sais pas. Ah, un ours. Oh non, non, non. J'entends un zombie. Je sais pas où il est. Là. Il est là, il m'a vu. Oh non. Non, non. Mais c'est qu'il court vite en plus. Ah! Faut pas que je reste là. Ok, ok, alors attends, je vais grimper là. Kat, calme-toi. Je monte. Ohé ! Je vais bien trouver quelqu'un de vivant encore. C'est pas possible que je sois la seule survivante. Oh, aïe. Encore des grottes. Il y a des grottes partout. Bon, allez, je retourne au lac. Oh non, un phacochère. Ah, aïe, oh, je me fais attaquer par les phacochères maintenant, ça va pas du tout là.
Ils sont là, ils sont dans les grottes, je les entends. Je les entends, faut que je fasse attention, très attention. Quatre, attention. Je vais grimper sur ce grand arbre géant. Ah, j'ai cru que j'allais louper et retomber. J'aurais jamais autant manqué de mourir. Ok, il n'y a rien dans cette parcelle de la forêt. Personne ne me répond, il n'y a personne. J'arrive à... Je m'en sors de mieux en mieux, hein, pour grimper sur les arbres. Oula, un ours. Faut que je fasse attention. Où était ce fichu lac? Où était ce fichu lac? Attention, phacochère. Ah, il était par là. Il était là. Oh là 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 là, je passe à côté d'ours, de phacochères, de trucs, c'est immonde. C'est horrible. C'est bon le lac. Ok. Bon, je vais rester là, je vais mettre un... Je vais commencer à bâtir, à couper du bois puisque j'ai plus assez de bois. Et puis il va falloir que je reprenne de la pierre. Je vais me mettre par là. Je vais peut-être... Je sais pas, une assez grande vue par ici. Je vais peut-être me mettre par ici. Ah voilà. Là il y a un grand lac. Il est bien plus grand. Ce sera beaucoup mieux ici. Je vais me faire un abri. Je vais me faire un abri par là. Faut que je me trouve un arbre assez grand. Mais d'abord, il faut que je coupe un peu de bois. Je commence à être enrhumée. Je vais mourir ici. J'ai entendu un ours. Non, 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 c'est bon, il m'a pas vu. Si, si, il est tout près, il est tout près. Je m'éloigne. Je m'éloigne. Cet arbre là est magnifique. Il est super grand. Il se pourrait que je fasse un abri là-dedans. Ça pourrait être bien. Il me reste une échelle. Je pense que près du lac, je serai assez en sécurité. J'ai pas vu trop de grottes ici. Ça devrait être pas trop mal. On va essayer de refaire encore des échelles. J'ai pas fait assez de bois, je crois. Faut pas que je dépense tout le bois que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Je vais l'économiser un peu. Voilà, comme ça. J'espère qu'elles seront assez solides. Oh, j'ai trop peur. Ça devrait être pas trop mal. Je vais essayer de m'installer dans ce grand arbre. Ou est-ce qu'il y en a pas un autre qui serait mieux ? Celui-là. Je vais me mettre dans celui-là. Pourquoi je m'installe dans un grand arbre encore une fois là? Il est midi, j'ai encore un peu de temps. Je peux peut-être encore essayer d'avancer un peu. Cet arbre était vraiment bien, je dominais là. J'ai encore un peu de temps. Je devrais couper encore un peu de bois. Parce que j'aurai plus beaucoup de temps après. Dès que le soleil tombe très vite ici. Dès qu'il tombe. Même avant que le soleil tombe, c'est déjà dangereux. Déjà très dangereux. Déjà très dangereux. Oh, et
Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un de vivant? Un campeur? Je suis toute seule. Il y a un petit arbre perdu au niveau du lac. Il est pas assez haut. Non, non. Celui qui était là-bas était vraiment bien, mais... Avant de m'installer, je veux être sûre qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Allô? Oh, et... J'ai entendu un grognement. Il doit y avoir une grotte par là. Je devrais peut-être pas m'enfoncer par là, non. Ok, je vais en profiter pendant que je suis là. Pour ramasser un peu de... Un peu de pierre. J'ai extrêmement peur là. J'ai entendu un bruit bizarre. J'arrive plus à ramasser le caillou, je suis trop lourde. Il va falloir que je me lâche, que je me libère de quelque chose. Pourquoi j'ai de la terre sur moi? C'était quoi ce bruit? Faut que je sorte de ce trou. C'était quoi ça? J'ai combien de cailloux? 8. Je crois qu'il m'en manque. Il m'en manque combien pour faire un bon petit fourneau? Il m'en faut. Bah, c'est ça, 8. Ouais, mais pour réparer mes outils et tout, écoute. 4. Là. Je crois que tu vas devoir te faire encore un petit abri. Le soleil. Bah. Il faut pas que je me noie. Oui! Je suis encore tombée. J'en peux plus. Il était où mon arbre? Celui que j'avais vu tout à l'heure. Oh là, il y a quelqu'un! Attends, je me méfie. Ok. J'ai bien fait de me méfier. Je vais pas aller par là, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux, mais en même temps, je sais comment les tuer maintenant. Meurs, saleté de monstre. Bon, allez, tant pis pour moi. Je resterai toute seule ici et puis. Je retrouverai pas la civilisation. On est à combien de temps là de la maison? Je mettrai combien de temps là pour sortir de cette forêt? Il y en a d'autres. Et le soleil va tomber bientôt. Ok, bon, bien. Il y a des trous partout. C'est pas possible, je peux pas rester là. Ce sera trop dangereux. Je vais m'installer sur ce petit arbre au milieu de l'eau. Je serai en sécurité normalement. Il faudrait que je profite des derniers rayons du soleil pour sécher mes vêtements. Si j'y arrive, ce serait parfait. Ah, c'était celui-là là, que je voulais. J'ai plus assez de temps, tant pis. Je vais devoir m'installer dans celui-là. Je vais mettre mes échelles là. Hop, et une ici aussi. Hop. Ok. Ouf. J'ai bien failli tomber. Il y a de la viande putréfiée dans l'eau. L'eau va vraiment pas être bonne à boire. Ok, je vais couper ces petites branches. Ah. Ok, il faut que je me dépêche maintenant.
Je vais poser ça sur les branches, ça va même pas tenir. Je vais faire des planches plus petites. Ça va me permettre d'économiser un petit peu de bois. Voilà. Et normalement, je devrais avoir assez d'espace là pour poser ma tente. Ou pas. Pour une fois, je vais peut-être être assez bien organisée pour pouvoir me faire un toit au-dessus de la tête. De toute façon, peu importe, je vais pouvoir mettre ma tente. Le toit, c'est pas ça qui compte. Non ! Ça, 4, faudra pas faire ça la nuit, hein. Allez, 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 allez. Allez. Là. J'espère que je vais finir par rencontrer des gens. J'espère que tout le monde n'est pas mort, que je suis pas la dernière survivante. Et je vais mettre aussi un petit peu par là. Je devrais pouvoir poser tout ce qu'il faut. Je vais mettre ça, un petit peu d'éclairage. Je vais planter ma tente. Allez. Comment on fait déjà? J'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié comment planter sa tente. C'est pas possible. Je suis vraiment trop nulle. Normalement, au milieu de l'eau, je devrais être plutôt en sécurité. Ok, allez, on va continuer à en faire du coup. Peut-être qu'en agrandissant, ça ira mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. C'est la nourriture du campeur, celui que j'ai tué tout à l'heure. Enfin, le campeur. Le campeur. Campeur mort-vivant. Allez, pourquoi je peux pas poser ma tente? Il me manque des clous, il me manque des outils. Ok, ça, je vais poser. Où est-ce que j'ai mis mon feu de camp? J'ai plus de feu de camp. J'ai jamais eu de feu de camp, je sais même plus, je perds la boule. Faut que je pose mon petit fourneau. Alors, comment on faisait déjà? Ça. Et là, ouais, voilà, c'est bon. Voilà. Et là, je vais mettre à chauffer de l'eau. Très bien. Je vais juste agrandir un petit peu pour me sécuriser plus. Parce que là, c'est quand même un peu... Ils sont tous là. Tapis dans l'ombre de la forêt. Je vais prendre ma torche. On va voir s'ils me voient et s'ils viennent jusqu'à moi. Oh là 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 là. Les renards sont dans l'eau. Ah ! Un qui va chasser le cerf ? Je croyais qu'il chassait pas les animaux. Ah ! Mais oui ! Donc ils s'en prennent aussi aux animaux. Je vais agrandir tout de suite. Mince, tant pis. C'est pas grave. Un peu de gâchis. Voilà. Bon, et ben on va passer la nuit, hein. Demain je reprendrai la route. Oh là là.
J'espère qu'il grimpe pas aux échelles, parce que s'il grimpe aux échelles, est-ce qu'il me reste des trappes? Il m'en reste une, ouais. Je peux la poser. Je vais essayer de poser la trappe. Je vais pas tomber, je vais pas tomber. Est-ce que je peux la poser là? Ouais, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Ok, bon, bah je vais aller me coucher. Je crois que ça va devenir mon quotidien. Ça fait combien? Je sais pas. Quel jour on est là? Ça fait 4 jours? 5 jours? Je sais même plus. Depuis combien de temps je suis là à essayer de survivre? Allez. On dirait que le temps est avec moi ce soir. J'arrête pas de faire des cauchemars. Je sais qu'il faut pas que je les regarde, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai cru voir de la lumière par là, mais c'est encore ma des hallucinations à cause de ma torche. Demain, je prendrai encore la route, puis je partirai. Je sais pas. Je sais pas où je vais aller. Je crois que je vais errer au hasard dans la forêt. Jusqu'à trouver une sortie, une ville, une voiture, une route. Ou quelqu'un de vivant. Allez, Kat. Il est temps de dormir. Le camouflage en forêt est plutôt facile à réaliser. Mais attention, c'est aussi l'endroit où le survivant est le plus prudent. La réponse la plus pertinente a été donnée par Onin, qui se camouflerait parmi les carreaux de la salle de bain. Et oui, c'est dans cet endroit que le survivant est le plus vulnérable. Une question de survie. En cas d'invasion de zombies, quelle musique emmènerais-tu et pourquoi? La réponse la plus pertinente sera mise à l'honneur dans le prochain épisode. Merci. Grâce à vos commentaires, vos likes et vos partages, peut-être que votre survivant préféré sera encore en vie la semaine prochaine. Pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne, abonnez-vous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.